ça va péter. Ouais, ça c'est très bien. Nézo, j'étais en direct. Oui, Valérie, et qu'est-ce qui s'est passé? Quand c'est arrivé, vroom, j'ai eu dit que qui m'envoie? Quoi? Marie-Thérèse, pardon. Moi, je t'appelle pour me dire, Lady Ponce, toi, tu es qui ou bien que Lady Ponce est qui? Point d'interrogation. Je m'appelle Lady Ponce. Ici, elle veut parler de Lady Ponce, elle veut l'insulter. Je l'insulte aux yeux et vu de tout le monde. Ouais, ça, c'est très bien. Je dis ce que tu connais, ce que toi, tu ne connais même pas. Parce que tu ne connais même rien dans la vie de Lady Ponce. Et dès que je vous dis que tu n'es qu'un pion pour Lady Ponce, un point, un trait, je te le redis. Et ça, même en public, je peux le dire. Voilà! Tu parles de l'école d'université, tu es tout grand, ça, tes diplômes-là, tu les utilises où tu es là? Point d'interrogation. On peut faire ça. Mais Valérie, ça sort d'où? Le Congosa est venu me trouver sur place, bipé les voisins. Et qui est caché derrière cette voix? Coco Lago. Coco Lago. Coco Lago. Encore Coco Lago. Je sens que cette affaire est très très sérieuse et que ça va. Petit, chaque jour qu'on dort, qu'on se réveille, il y a de nouveaux dossiers. Oui, moi-même je confirme que chaque jour il y a de nouveaux dossiers. Et Coco Lago s'adresse à qui comme ça? À Lady. Mmh! Écoutons ensemble. Oui, maman, moi j'attends. Fais-nous écouter la ferrage, c'est sucré. Lady Ponce est une mauvaise. Moi, comment une personne qui a évolué à côté de Lady Ponce? Va te renseigner, on va te dire. L'an 150. Lady, c'est à côté d'elle depuis les années sans papier. Tout le monde, elle a pris son petit neveu, il est resté là 3 ans, l'enfant n'est pas parti à l'école. Oui, un enfant de 16 ans, jusqu'à maintenant, l'enfant n'est pas parti à l'école, il y a le marché pour lui, sa propre mère a bloqué ses papiers. C'est démoniaque, c'est la sorcellerie. Mais c'est très très grave. Valérie Amougou, dis-moi, est-ce que c'est vrai tout ce que Coco Lago est en train de raconter? Mais j'ai déjà quand même appris ça de Lady, hein. C'est pas la première personne, hein. Oui, oui, oui. J'ai déjà appris ça, c'est pas la première personne. C'est démoniaque, c'est la sorcellerie. Ouh là là, c'est pas la première personne. Si jamais tu m'as puni! Mais Tita Aline, que dis-tu de ce problème entre Coco Lago et Lady Pong? Coco Lago ne peut pas te consacrer beaucoup de temps, tu n'es qu'une mangeuse de caca, hein. Tu prépares la nourriture, tu n'es rien, hein. Je n'ai même pas où manger. Billy, qui t'a posé la question? On sait que tu as faim, hein? Et la politique t'a trompé et tu es rentré au Cameroun en disant que tu es soit héros national gifleur, hein? Reste tranquille. Entre temps, toi Amazon, que dis-tu de cette affaire entre Coco Lago et Lady Ponce? Coco, je te jure sur la tête de ma mère. Je veux te dire aujourd'hui que Lady, les gens l'ont pas aimé pour sa vie. Les gens l'ont aimé pour son travail. Parce que la preuve est que Koffi Olomide, on a dit qu'il est violent, il est ceci. Quand il est parti au Congo, il y avait les fans qui dansaient. On ne savait plus qu'il était tueur. Et tout ce que tu vas dire, que Lady est ceci, elle a tué, elle a fait les marabouts, elle couche avec tout le monde. C'est... Si elle faisait ça et que tu as vu, tu n'as pas dit, donc ça veut dire que tu es complice. La fessie, ça me dépasse. Amen, Kamé, quel est ton point de vue? La prostitution artistique camerounaise, africaine a commencé depuis la nuit des temps. Amen, Kamé, tu es au sujet. Je ne parle pas par rapport à la prostitution artistique camerounaise. Nous sommes sur le problème qui est entre Coco Lago et Lady Ponce. Lady Ponce? Oui! Vous pensez que c'est que Dieu Cyclone dit là? Il n'invente pas. C'est la réalité de tous les artistes camerounaises. Quand c'est pour Lady Ponce, tout le monde vient. Maintenant, quand c'est pour tout le monde, on va parler. Amé, je te respecte, chapeau. Tu aimes les Japon. Mais calme-toi un peu. Coco Lago, que se passe-t-il entre Lady Ponce et toi? Point d'interrogation. Lady, je vais te dire quelque chose. Si une de tes copines, collègues, avec qui tu fais les partouzes, que vous allez chez les marabouts ensemble, s'assoit encore devant une caméra pour prononcer mon nom. Bim, je sens le danger, ça va. Je raconte à tous les musiciens camerounais tout ce que tu dis et fais sur eux. La fessie, c'est pas bon, je sens que ça va. Ça, je te le jure sur la tête de mon père, sur la tête de mon père, de mon fils, de tout, sur ma tête moi-même, je te jure. Toi, Amazon, ce n'est pas parce que Lady t'a amené chez les marabouts pour soigner ton éléphantiasis là, que tu avais les pieds qui pourrissaient déjà. T'as amené chez son marabout, t'as amené faire quelques partouzes ensuite après, pour que tu arrives à t'en sortir et briller un peu ces jours-ci, que tu penses que tu vas embrasser ces problèmes et tu vas chercher les problèmes à tout le monde. Méfie-toi, parce que l'éléphantiasis là, c'est sur ta bouche que ça va sortir la prochaine fois. C'est pas au pied. Ouais, ok. Ça me dépasse. Hey, moi-même, ça me dépasse.
Entre-temps, Stella Amogo, maman Pochka, je sais que tu as un mot à dire. Je sais que tu as attendu ta prise de parole jusqu'à... Que dis-tu de cette affaire qui est en train de... Entre Coco Lago et Lady Ponce. Mon cul, ouais. Kabinte. Ouais, ok. Est-ce que tu ne pouvais pas appeler Irène Gono? Tu ne pouvais pas appeler Nyang Gono, Irène, pour lui dire que... Petite sœur, viens, on part, je te donne les affaires. Point d'interrogation. Tu ne pouvais pas l'appeler et lui dire... Ma petite sœur, tu as raison. Après 2 ans, quel qu'en soit ce qui se passe, tu as gardé les enfants, c'est vrai. Donne-moi le rendez-vous. Tu vas aller à la maison quand? Tu veux aller à la maison quand? Mercredi? Allons, je t'accompagne. Porte tes affaires. Pars avec. Tu vas au Cameroun pour rester. Tu as raison. Prends, tu pars avec. Hé, hey, Anya, Abimte. Valérie Amougou Landolé, fille de Medgen, un des mots sur cette affaire. C'est tellement chose tranquille. Oh. Le Congo, ça est venu. Oh. J'ai entendu mon téléphone. Lady Ponce est une mauvaise. Montre-moi une personne qui a évolué à côté de Lady Ponce. Laetitia est à côté d'elle depuis les années sans papier. Tout le monde, elle a pris son petit neveu, il est resté là 3 ans, l'enfant n'est pas parti à l'école. Oui, un enfant de 16 ans, jusqu'à maintenant, l'enfant n'est pas allé à l'école, il y a des marches pour lui. 3 ans, l'enfant n'est pas allé à l'école. C'est démoniaque, c'est la sorcellerie. 3 ans. Et que Lady Ponce, 3 ans, avec tout l'argent là. Avec l'argent là. Hé! Hey! Je suis morte. Eh oui, mesdames et messieurs, chers fans, nous sommes arrivés au terme, donc à la fin de notre petite vidéo Star à la Une. Si vous l'avez aimé, n'oubliez pas de liker et la partager au maximum. Je profite par cette petite vidéo pour vous souhaiter joyeux Noël par anticipation. Je dois comme ça remercier tous mes fans et plus particulièrement tous ceux-là qui partagent mes vidéos en longueur de journée. Donc je remercie comme ça le groupe WhatsApp Fan Club Replicant Mano Sabi. Je remercie tous mes fans, tous les abonnés de ma page Facebook Mano Sabi Comedy Conseil. Je remercie aussi tous les abonnés de mes 3 chaînes YouTube dont je dois citer la chaîne YouTube Mano Sabi Comedy Conseil, Replicant Mano Sabi et Replicant Mano Sabi Officiel. Merci à vous mes gens, merci à vous mes fans. Je vous souhaite comme ça joyeux Noël et bonne année par anticipation. Que l'année 2022 qui est en train de s'annoncer soit pour vous une année de gloire, une année de succès, une année de réussite dans tout ce que vous allez entreprendre, une année de bonheur, une année de réconciliation, que le bon Dieu vous ouvre les portes du bonheur, les portes du succès. Je vous aime tellement. Je vous laisse accompagner du maxi single de l'artiste princesse Diane David dans le titre Samuel Eto'o, enfant béni. Merci beaucoup. Rendez-vous pour une nouvelle vidéo si prête à Dieu. On s'appelle Valérie Amougou. On dit quoi? Clôture la vidéo. Bonne journée, bonne soirée à tout le monde. Merci beaucoup, vous qui aimez le Congossa. Parce que parmi vous, il y a les papas Congossa, les mamas Congossa, les sorciers, les hihou, les Camerounais, les Africains, vous aimez le Congossa. Eh, bravo et toi, bravo et toi, fisco, bravo et toi. Eh, bravo et toi, bravo papa et toi, avec son équipe. Eh, bravo et toi. Bravo papa et tout, bravo. Yeah, mandé à la, mandé à la, papa et tout, mandé à la. Yeah, mandé à la, mandé à la, papa et tout, mandé à la. Yeah, body body, body bongé, on pifi, body body, yeah. Il a décidé de servir son pays, il a décidé. Yeah, bravo papa, oh, bravo papa et oh, bravo papa, oh. President, oh, président de l'Afrique, bravo papa, oh. Yeah, papa et oh, papa et oh, papa et oh.